Annie sur ta radio. En tout cas, bienvenue sur Kayom FM en ce jeudi 28 mai 2020. Misatazot, la bienvenue en tout cas. Jusqu'à 20h, Dani dans vos oreilles, sans aucune limite. Allez, votre émission le Tropical After jusqu'à 18h et de 18h jusqu'à 20h, votre émission le Tropicana Live Tour. Alors, le programme d'aujourd'hui... Il y en a beaucoup de choses aujourd'hui. À 16h30, justement, on va retrouver quand même le proverbe créole pour tenter de gagner justement un petit cadeau en direct à la radio notamment. Et là, dans la demi-heure qui va suivre, justement, on va s'écouter le tube du moment avec Imen S. Qui t'a touché, dis-le-moi, dis-le-moi. Sur ma vie, je vais rentrer pour des années. Je sais qu'il me fait du mal, mais je l'aime. Malgré tout, je suis à bout. J'te jure que j'vais... Et ça sera dans la demi-heure. Même si tu l'aimes. Et juste après, on aura également Sophie Ligue Damis. Likez sur Facebook, quand t'as ouvert ton yeux, c'est la faute, la montre finale. Likez, si tu aimes likez sur Facebook, quand tu vas plaire et ton bon ami va partager. Continuez, likez sur Facebook, quand t'as ouvert ton yeux, c'est la faute, la montre finale. Ah, mamie, continue, likez, moi, Sophie Ligue Damis en tout cas, hein. Kayom FM, à Sainte-Marie, 106.9 FM, 106.9 FM. Ça sera dans la demi-heure qui arrive. Également donc à 17h, nous va faire un appel surprise. Oui, un appel surprise à 17h, tapante. Et si cette personne y décroche le téléphone, il repart avec un cadeau. Oui, là c'est véridique là. C'est du jamais vu. Donc on a pas de surprise tout à l'heure, aux alentours de 17h. Également donc nous l'avons Facebook Live, mais nous l'est sur Instagram. Oui, nous diffuse également sur Instagram, sur le compte Tropicana Live Tour. C'est une nouveauté en tout cas. Et on salue quand même l'auditeur, enfin le Instagrammeur Raphaël, que l'a fait un petit coucou également. Oui, c'est une nouveauté quand même, toujours en test, mais toujours une nouveauté quand même sur la page Insta de Tropicana Live Tour. Allez, on fait un petit coucou à Mélissa qui nous écoute actuellement. Salut Mélissa, j'espère que vous allez bien, tranquille, et que vous êtes assise sur le canapé, dans les nuages. Et parce qu'elle avait demandé à moi Michael Pouvin, mais sous... Non, comme je l'avais dit tout à l'heure... Oui, sous les nuages. Oui, la main à moi, sous les nuages. Je me dis, ma fille, comment vous faites vous? Mamie plaisante. Ça sera dans un instant, Michael Pouvin, avec justement le titre Dans les nuages. Également à 17h30, on n'a pas fini encore le programme, parce que le programme est long. 17h30, donc la rubrique Tropical Girl avec Annaëlle et Leslie. Jusqu'aux alentours de 18h. 18h, 18h30, une pause musique. Et également des dédicaces donc via le standard de l'émission ou bien par un texto également sur le Facebook Live, enfin sur Instagram.
Et 18h30, le jeu que Zotiaton, le jeu le Nialo, ni bonjour, enfin ni bonsoir plutôt. Le jeu le Nialo ni bonsoir, ça sera aux alentours de 18h30 jusqu'à 19h. Et de 19h20 jusqu'à 20h ce soir. Plein de cadeaux à gagner, notamment le jeu pour la fête des mères d'ici ce soir. Sur le mot-clé maman, ça sera tout à l'heure aux alentours de 18h. Allez, mais rappel à Zot quand même le numéro du standard hein, pour ceux ou celles qui veut appeler. Hein, 06 93 488 996. J'adore. Et puis sur le standard, pour les textos, ça se passe au 06 92 170 862. Et on salue quand même Sylvine. Sylvine, demande-moi, est-ce que c'est moi qui anime aujourd'hui? Sylvine, suivant ton prénom, bah oui, c'est moi-même, Mounoir. Prends pas de personnage. Je suis là, Sylvine. Sylvine, que la mon amour, donc une chanson spéciale. Oui, la mon amour, une chanson spéciale, tu vois. Mais il peut pas refuser, mais il peut pas refuser quand même. Hein. Il faut pas, hein, Sylvine. Hein. La mon amour, la chanson de Christian Lafave. Avec le titre Ma Femme. Ça sera dans un instant également. Juste après le petit morceau de Michael Pouvin. Allez, 16h10 en tout cas, sur la radio, pour cet après-midi. En plus, on est en de bonne compagnie. Hein. Allez, nous revient à 16h30 pour le jeu des proverbes créoles. Dans votre émission le Tropical After sur Kayom FM, il est déjà 16h11. Kayom FM, 106.9 FM. Kayom FM, à Sainte-Marie, 106.9 FM, 106.9 FM. Les appels en direct au 06 93 488 996 488 996. Venez délirer en direct avec l'équipe complètement barjo. Le direct radio avec Kayam FM. Kayam FM. Avec Dany sur ta radio. Kayam FM. Kayam FM. Cher Kayom FM, allez, c'est parti pour le jeu proverbe. En tout cas, je ne l'ai pas trouvé cette semaine, hein, parce que mardi m'avait lancé un proverbe justement. Bon, bah nous va rebisser hein, quand même, hein, poussette il veut trouver en tout cas. Alors, que ça veut dire, trois poules, ils pondent pas dans le même nid. Que ça veut dire ce proverbe créole là? Appel à nous, enfin appel à moi surtout. Au 06 93 488 996. Et explique à nous que ça veut dire trois poules, ils pondent pas dans le même nid. Ça c'est le jeu proverbe. Et ça t'y repart avec un cadeau notamment. Hein. Allez, c'est parti pour tenter de gagner une nuit d'hôtel pour deux personnes à l'hôtel Le Récif. Donc si tu veux jouer pour cette nuit d'hôtel, pour ce séjour à l'hôtel Le Récif, il faut envoyer le mot Récif par SMS au 80-90. Le mot Récif par SMS au 80-90. Et le règlement du jeu, ça se passe sur le www.tropicanight.re. www.tropicanight.re. Notamment tout à l'heure aux alentours de 18h. Il y aura les jeux justement en intégralité concernant toutes les nuits d'hôtel à gagner dans votre émission.
Également donc ça tu peux oui ça tu peux écouter en live également sur le www.tropicanite.re ou sinon sur Insta Tropicana Live Tour. On salue quand même nos partenaires hein, justement qui nous suivent. Et aux alentours de 17h30, mes rappels azot quand même que Nena, la rubrique Tropical Girl avec Nana animatrice, enfin Nana animatrice, non c'est plus son pseudo, c'est Anaël maintenant. Il change de prêt, il change de nom à chaque instant, lui. Fatigue à moi. Fatigue, hein. Oh là là. Et puis avec Leslie, ça sera tout à l'heure aux alentours de 17h30. Allez, place à la musique d'ailleurs. FM 106.9 FM. De 16h à 18h. 16h à 18h. Le direct radio avec Kayan BFM. Avec Dany sur ta radio. Cher Kayom FM. Et c'est parti. Deuxième partie de cette émission, le Tropical After. Et de 18h jusqu'à 20h en tout cas, votre émission, le Tropicana Live Tour. Également donc pour ceux ou celles qui les écoutent actuellement sur la fréquence 106.9. Soyez les bienvenus. Restez bien branchés à la radio, ne tournez pas le bouton. Vu que Nena a des cadeaux à gagner dans un instant. Et me rappelle quand même le proverbe du jour. Donc explique à nous justement ce que ça veut dire. Trois poules, ils pondent pas dans le même nid. Si vous connaissez ce proverbe-là, explique à nous. Les autres appellent sur le standard de la radio. 06 93 488 996. 06 93 488 996. Et notamment, Nena, 1 000 euros cash à gagner aujourd'hui jusqu'à 20h. 1 000 euros cash à gagner jusqu'à 20h. Pour jouer, c'est très simple. Il faut envoyer le mot cash par SMS au 80-90. Le mot cash par SMS au 80-90. Oui, tout à fait. On peut y arriver hein, cet après-midi. Hein. Alors uniquement aujourd'hui, nous ça paye Facture de Moon. Oui, effectivement, Zola, bien entendu, mais ça paye une facture aujourd'hui. Et ça sera donc un appel surprise. Et ça va sur le standard. C'est parti. Bon, en tout cas, ça sonne, hein. Ça sonne. Bon, allez. Faut voir s'il répond. Si mes baisses pas basses, va crier. Ah bah oui. Comment elle est? Elle est bien. Elle est bien. Ah, bah elle est là, doucement, doucement. Bah, pour écouter à moi. Ouais, pour écouter à moi, sérieux? Bah oui, parce qu'apparemment aujourd'hui, à ce qui paraît, aujourd'hui c'est ton anniversaire. Joyeux anniversaire. Ben merci, qui est mon gâteau. Ah tout de suite, alors c'est soit gâteau, soit facture. Alors où choisir? Facture alors, ah, bah. Bon, facture. Bah, allez, bon, c'est une facture 25 euros, on m'a payé. Bon, là, tu dis pas rien, dis merci. Bah oui, dis merci. Bon, en tout cas, vous faites les 30 ans, c'est ça? Ah, à 18 ans. À 18 ans? Ah bon, ouais. On a 2 ans, ça l'avait 18 ans. Ah non, il paraît à où ça? 2 ans, c'est 16.
Ah, paraît m'a mal vu photo alors. On l'a mal vu, oh. Pas bien, Elio. Ah, bah, sûrement, on me connaît, ma fenêtre est vieux aussi. J'étais à l'envie, ça coule la vue photo là. Ah, les talents, vous avez fait exprès. Ben. Aïe, 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 ils ont fait exprès, pas bon ça. Bon, bah, dis pas, non, bah, vaut mieux pas. Bon, en tout cas, bah, nous l'avons en direct sur la radio et puis sur Instagram aussi, hein, on connaît, c'est une nouveauté. Ah bon, ouais. C'est Dani, on l'a refait. Ah bah oui, quelqu'un a gâté des fées, oui. Ah, oh là là, tout de suite les grands mots. Bah voilà, non, on est en train de tester là également, donc voilà, peut-être que, voilà, quand au futur, dans un an à peu près, Instagram va être populaire, quoi. Demain, non, tout ça là. Bah oui, le temps qu'ils trouvent le système, tout ça et tout ça. Un peu comme Boubouk. Ah, ok. Allez-vous. Bon, elle est bon. Bah oui. Ah, et du coup, mi finit 20h ce soir et après 20h, nous venons manger gâteau. Ouais, allez-vous. C'est bon, le tien, tout le temps, moi, là. Bah oui, au moins, on saute. Aïe, aïe, aïe. Bon, bah, en tout cas, Gladys, bah, joyeux anniversaire à vous et puis... Et puis, ben, nous retrouve bientôt, hein. Allez, bon. Les bon, on va y par mail. Direction.kayamfm@gmail.com. Bah oui. Ben, pour moi, même alors. Ben, ça non, mais plaisante. Les bon, allez, nous retrouve. Ben, merci, bonne émission. Merci, allez, bye bye. Allez, bye bye. Allez, en tout cas, elle avait un double appel. Ça, tu peux appeler maintenant, le standard est libre. 06 93 488 996. 06 93 400 488 996. On salue quand même Manon. Manon, comment il est Manon sur Insta? Comment il est Manon? Il est bien, mais j'espère que l'est très très bien, tranquille, Emile. Alors Manon, je vous passe un petit message où on peut mettre sur Insta. Ou sinon, on appelle à nous, hein, 06 93 488 996. Allô? Allô, oui, bonjour. Oui. C'est un coup radio là, va, t'inquiète pas. Ben, c'est un coup radio là, mon noir. Ben, depuis t'as même essayé d'appeler, ça l'a dit neige pour gagner, depuis t'as même essayé de téléphoner, personne ne décroche pas. Ah bon? Ça, ben, ma fenêtre sur plusieurs numéros. Ah bon? Ah, et, hein, ben, ah. Le cadeau, c'est quoi, il donne? Attends, attendez, alors, on fait pas connaissance avec moi, rien, alors, ou tout de suite le cadeau. Eh, mon animateur, là, à la radio, hein. Et donc, a dit comme ça, le question... Quoi il veut dire pour le coup, pas dans la même nid. Oui, attends là-haut. Alors, attends, parce que nous l'en direct. Attends, bouge pas le bateau, Diao. Alors, déjà, comment on appelle? Ah, moi, je m'appelle Anne-Marie. Anne-Marie, alors Anne-Marie, tu nous viens de quel côté? Sainte-Marie. Sainte-Marie. Alors, il fait quel temps à Sainte-Marie? Il fait un peu connaissance avant, Théa, ou même? Il fait beau, il y a le soleil, il est bon, on a un peu le vent. Un petit peu le vent, alors. Bon, ben, d'accord. Ok, alors du coup, alors tu veux justement savoir le proverbe, enfin, alors, le cadeau m'y pourra pas dire tout de suite, hein, parce que bon, ouais. Voilà, hein, il faut la surprise, surprise. Tu veux donner à moi un bon cadeau, la fête des meilleurs arrive dans un bon cadeau. Ah hein. bah oui, Et mes couteaux, ils sont là, nuit de la journée, tout, me dit, ah, c'est pas possible, il n'y a pas cadeau là. Oui, alors donc... Alors... Qu'est-ce que ça veut dire moi? Non, qu'est-ce que ça veut dire moi? Alors... Me redonne à haut le proverbe. Les bons? Oui, me connais le proverbe. Hein. De pour le coup, pas de même niveau. Je veux dire, on peut pas faire des ménages, des familles dans le même cas, monsieur. Ah. Vous comprenez là, c'est ça, je veux dire, m'a toujours connu depuis longtemps. C'est comme ça, nos vieux grands, c'est ça. Ah, bonne raison. Bon. Alors. Voilà. Oui. Bah du coup, on repart avec un bon cadeau offert par Orbre Esthétique du côté de Saint-Denis. Ah, ben les gentils, merci beaucoup. Mais comment il fait pour attraper à l'île? Hé, on croit ça dans Pokémon, quoi? Non. Hein, comment... Allez, donne-moi la
mais attends, alors, Anne-Marie, attends. Alors, mais Anne-Marie, il est en forme cet après-midi, hein? Oh. Ah oui, pourtant, finis-toi mon casard, tout, mais je suis fatiguée, mais bon, Oh, mais oui, mais bah, attends, là-haut, Anne-Marie, ne sois pas pressée. Oui. L'Asie vaut mieux tard que jamais. Alors, oui, mamie, prends de coordonnées, là, mais ça note toutes coordonnées, d'accord? Mes notes numéro de téléphone, mais ça me rappelle au hors antenne justement, d'accord? Donc, enfin, m'y pense plus dans la semaine, hein, donc dans la semaine, m'y va rappel à haut. Ah, ouais, pour la semaine, ben maintenant, ouais, notre numéro, parce que le téléphone, il est comme un peu. Alors, ce que m'y donne à haut, un autre numéro, rappel à moi, hors antenne, ou envoie oui, un message. De... Ou un? Oui, non, oui, mais bon. Les bons, alors, est-ce qu'on est là de quoi noter? Oui, elle est là, elle est juste devant moi. Alors, 06 92 06 92, oui. 170 Combien ? 170 170, oui. 862 865 Non, 62. Oui. 62. Ah, 62, oui. 62, ok. Oh, attends pas. Ah. Ok. Alors, du coup, envoyez un petit message là-dessus et m'y va rappel à haut bientôt. Ça c'est téléphone là. Oui, téléphone 06 92 170. Appelle à moi tout de suite. Appelle à moi sur mon téléphone là. Mais il peut pas appeler à haut, mais il peut pas appeler à haut, mais il est en émission, Anne-Marie. Comment on veut m'appeler à haut? Mais bon, ben vous décrochez un peu, c'est ma fille qui a fait. Ah oui, pas. Comment dit Gabi Laïc, une femme commande pas le zoom. Version, hein. Ah, arrêtez un peu, hein. On va pas tenter une nouvelle version. Non, c'est quoi une nouvelle version? Dis-moi un coup là. Ah, ben c'est le contraire. Ah ouais? Ben oui. Ben alors, on se calme. Mais écoute pas la musique, donc. Écoute pas Gabi, donc. Ah non, même écoute pas Gabi, mamie. Écoute Jean-Pierre Boyer. Ah, écoute ça, les idées. Hein, Jean-Pierre Boyer, là, dit comme ça, on va te pas faire les oreilles. Ah, mon soin est pas pareil, mais avec créole. Ah, ben voilà. Ah, bon. Ah oui, il fait pas le zoo. Eh ben oui. Ouais, eh du coup là, on veut pas m'y offrir un CD Jean-Pierre Boyer au lieu de. Ah non 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 non. Mais elle est bien, mais sympa, mais non, mais veut le cadeau. Alors m'y offre, alors m'y change de cadeau, m'y offre le. M'y offre le CD de Jean-Pierre Boyer. Ah bah oui, attends, on les gourmands en plus. On les gourmands en plus. Bon, alors, on va envoyer un message sur le numéro des textos et me faire appel dans la semaine pour voir comment récupérer ton bon cadeau. Les bons ? Les bons, merci bien. Merci en tout cas. Merci, au revoir. Ah, est-ce qu'on a un petit message fait passer ? Ben, bonjour à tout le monde. Okay. Tout le monde écoute la musique, tout le monde écoute Kayam FM. J'aime bien Kayam FM. Mm. Donc, bisous à toutes. Oui, j'aime juste la radio, j'aime pas l'animateur. Ou... J'aime bien l'animateur, j'aime tout. Ah, j'aime tout, toi, alors. Tout le monde, tout le monde, tout le monde. On est comme crête d'or. Ah oui, c'est pour ça. Mais bon, est-ce que là déjà... Alors, est-ce que là déjà poule d'un même nid ou... Jamais la vie n'est interdite, monsieur. Nos parents sont interdits à faire comme ça. Ah, bon, on a raison. Mais là, bonne jeune fait ça, mais non. Tant c'est fait pas ça. Sérieux? Mais pas trop vieux. Hein. Mais vous n'avez pas gagné l'éducation 2, pour même 3, pour d'un même nid. Ça, c'est une honte, ça. Excusez-moi, hein, mais désolé. Oui, et du coup là, Cody c'est pas une jeune, il fait ça là. Oui, mais il y en a beaucoup, il fait ça quoi, mais il me dit, bah déjà, vous l'avez dit, t'es inconcevable, fais ça, fait comme ça, ou tu connais tout par un peu, dire où ça. Ah, vous connaissez quel âge maintenant? Non, mais je veux pas savoir. Mina dans la cinquantaine, moi, mon voix il fait jeune. Ah, moi aussi, mais il est pareil. Ah, voilà, mais on doit connaître. Mon voix il fait jeune, mais voilà quoi. D'accord, ben moi aussi, mais dans cette cinquantaine même, moi. Ah ben voilà, alors. Oui, mais nos parents l'ont bien éduqué à nous avant. Ouais, après... Pas comme là, mais t'es où, tout le monde y fait un peu tout ce que tu veux, ouais, la liberté, tout ça, mais voilà quoi. Ouais, ben après, on connaît, dans le même nid, là, on peut avoir plusieurs affaires, tu vois, on peut... Même nid, Bon, pas dire ma grosse. Bon, allez, non, sérieusement. Bon, on va envoyer un message. En tout cas, merci Anne-Marie. Et puis, ben... Merci bien. Voilà, il n'y a pas de problème. Allez, merci. Qu'est-ce qu'on veut? Non, ce qui arrive dans... Jean-Roland dans... Miguel. Hein? Jean-Roland Miguel. Jean-Roland Miguel. Oui. Qu'est-ce qu'on veut? Timide? Timide? Pas... Oui, le timide. Comment elle est pas?
Ok, ben les bon, on va mettre sa peau dans un instant, merci. Allez, au revoir. Allez, au revoir. Allez, 17h14 en tout cas sur Kayom FM. Si tu veux appeler sur le standard parce que ma vie connaît des doubles appels. Appelle à nous 06 93 488 996. Allez, deuxième, allez nous recevoir sur le standard. Allô. 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 Bonjour. Bonjour, qui ai-je l'honneur? C'est Sylvine. Ah, Sylvine, comment elle est Sylvine? Ça va, ça va. Ah, et ça, ça va, et ça revient. Alors Sylvine. Ah, j'attends d'écouter votre radio là. Ah, tu m'écoutes? Oui, oui, mais là j'ai appelé sur le fils parce que mon portable est occupé pour écouter la radio. Ah bah oui, on a raison, ou la radio de case, ou écoute sur le téléphone. Oui, mais écoute sur le téléphone. Ah. Bon, Sylvine, quoi de neuf? Léla, doucement, doucement, mais j'arrive pas à partager votre radio là tellement super. Ah bah écoute, nous va faire parvenir justement le souci technique, hein, parce que bon, il est vrai qu'en temps général, nous, il est écouté sur internet. Mais là, on a un petit souci de... On a un petit souci. Mais inquiète pas, on va être rétabli très très prochainement. Voilà. Ah bon, hein, mais attends, ça pas patience. Hein. Ouais, ah non, franchement, c'est la première fois que j'écoute votre radio. La première fois. Et du coup, là, est-ce que... Parce que m'y voit, il y a un bon morceau slow, souvenir, tout ça. Hein. Pas, ouais. Ah. Et si m'y fait ça tous les matins entre 8h et 9h, où pense écouter où? Ah, au travail? Bah écoute de travail. Que ça va venir m'écouter? Ah, d'accord. Hein? Et à où il n'aime pas écouter bon morceau longtemps? Ah, excusez-moi, écoute, comment on râle ça? Ah, on ira le mettre, on le met à gauche. Ah, t'es jusqu'à où? Main droite, main. Alors, fais un coup le geste là. Ah, mais là, tu vas pas te là. Fais un coup le geste, main droite, main gauche, ça. Main, t'es jusqu'à où, Sylvine? Et t'es bonne à toupé. Venant touper mon noir. Ah oui, excusez-moi, oui. Les vrais Kao comment on râle ça, c'était l'un des tubes, hein. Oui, oui. Voilà, et Ao Koso Yem là, quel morceau Yem là actuellement? Comment s'appelle comment s'appelle là, il n'y a pas trop longtemps, je viens d'écouter sur mon lundi là, je ne connais plus. Vous venez écouter sur l'ordi, vous ne connaissez plus? Je ne connais plus. Ah ben on est dans la mémoire, courte mon noir. Oh, Sylvine, quand même. Il connaît plus le nom, le femme. En plus, c'est un femme qui chante. Oui. Ouais. Ah, voilà, non, c'est moi, j'ai vu, c'est le groupe Nova. Ah, Nova, ah, oui. Bah oui, ça, il fait longtemps, ça, Nova. Oui, Nova, le groupe Nova. Attends, Miga, d'un coup, quand tu es de Nova, là, n'en fais pas ça, un coup pour où, là. Ah, gars, maintenant, ça, pour moi, va souffler. Ah oui, ou crois-moi du box quoi. Alors, Nova, Milena, le jardin des souvenirs. Les bons pour vous? Mika, ça pour vous dans un instant? Oui, mettre ça pour moi ou... Ah oui, oublie pas couler un pièce, s'il vous plaît. Ouais, mettre ça pour. Oublie pas couler un pièce. Couler un pièce? Bah oui, couler un pièce. Un jukebox, il met un pièce, non? En plus, c'est pas pièce d'euros, hein. C'est pas pièce d'euros, c'est pièce 4 euros. Ah, et quand on vient là, toutes les lesbétons. Lesbétons. Vous n'avez pas dit laisse tomber comme tout le monde? Ah, non, lesbétons. Lesbétons. Ah, quand on vient là, comme elle là. Aïe, aïe, aïe. Ben, mon nom, ben oui. Là, vraiment, on a fait monter au côté pour la jolie charge. Ah oui, en plus vous connaissez le slogan de la radio Kayom FM. Non mais c'est la première fois, non, c'est la première fois que j'entends votre radio. Ah, et connaît une première fois, il reste toujours dans les souvenirs ça. Oui, franchement,
Ah, bon, ben les bons, là. Ben nous fais la petite pause musicale pour là, tout, dans un instant. Les bons, en tout cas, est-ce qu'on a un petit message à faire passer? Ah, mais là, et un petit message à tous mes enfants, c'est... Ok, le petit message est passé en tout cas. Ben, nous aura le groupe Nova, la Jardin de souvenirs qui arrive dans un instant. Les bons? Ok, ben merci beaucoup et bonne soirée. Merci, allez, bonne soirée à toi. Allez. 17h19 en tout cas sur Kayom FM. La suite des messages également, donc la suite de vos appels, ça se passe au 06 93 488 996 aux alentours de 18h. Allez, place à la musique sur la radio. Il y a quoi ce qui arrive à l'info sponsor? On aura également donc alors donc Nova, le jardin des souvenirs. On aura également donc Jean-Roland Mickaël avec Timide et puis donc la suite de la musique sur la radio. Allez, tout de suite sur Kayom. Tropical Girl, votre rendez-vous 100% girly, 0% chichi, avec une nana d'enfer aux commandes. Tropical Girl, plus qu'une rubrique, c'est la vôtre. Coucou les girls, j'espère que vous êtes en forme et de bonne humeur. En tout cas, moi je pète la forme, Leslie. Toi, je suis sûre que tu pètes la forme comme d'habitude. Ah bah oui, comme d'habitude. Ça change et ouais, pas. Et ouais. Et voilà, et ce soir, vous avez deux girls dans votre émission... Enfin, dans votre rubrique plutôt, parce que bon, sinon Dany va me taper sur les doigts quand non, je fais l'émission. Non, mais tape pas rien. Rubrique, rubrique Tropical Girl. Donc voilà, un plaisir comme chaque semaine hein, de vous accueillir chez nous, en quelque sorte. Parce que c'est vrai que ça fait un moment qu'on vous accueille chacun chez nous. Et même pour l'émission Tropical Girls. Et ce soir... Je vais parler de deux petits thèmes qui sont quand même assez reliés. Tu pourras notamment réagir, Leslie, parce que je pense que ça te parle aussi. Bien sûr. Ça parle à tout le monde, que ce soit les girls ou les boys. Mais bon, je vais plus m'attarder aux girls ce soir. Et c'est vrai, bah, y a bien un accessoire maintenant qui est entré par hasard dans notre garde-robe. Et qui surtout fait fureur hein, au vu de la situation. D'après toi, pardon, Leslie, qu'est-ce que c'est? Quel est l'accessoire? Je dirais le masque. Et oui, le masque. Vous allez dire, ah non, évidemment, encore, on va parler de masque. Eh ben oui, ben, c'est un phénomène de mode, hein, si je peux le dire. Hein. Bon, je rigole bien évidemment, il faut prendre au second degré. C'est vrai ouais, que si on parle de ça, c'est parce que... Parce que c'est devenu un accessoire concrètement de la vie de tous les jours maintenant. Bon, on ne sait pas encore pour jusqu'à quand, combien de temps, on va dire. Voilà, c'est ça. On est obligé de faire avec. Et Naël, elle a cherché quelques petites astuces pour vous concernant le masque. Concernant le masque, tu dis bien, Leslie. Et moi, je vais vous parler un petit peu de plusieurs choses concernant le masque. Ça peut passer par le conseil, des astuces. Donc vraiment, à écouter, parce que parfois... Hein, on rigole un petit peu dans l'émission et même dans la rubrique, mais on parle aussi de choses sérieuses. On vous informe parce que si c'est notre objectif de vous informer. Certains peut-être l'ont entendu 10 fois, mais peut-être d'autres découvrent l'information. Et oui, depuis le 11 mai, on est plus ou moins obligatoirement obligé. Ça se dit obligatoirement obligé. Moi, j'invente que des expressions. Donc, on est obligatoirement obligé dans certaines situations de porter le masque dans les transports en commun ou dans certains lieux où on ne peut pas respecter la distanciation. Enfin, voilà. Plein d'endroits où on doit porter le masque. En tout cas, c'est conseillé. Et moi, je vais vous parler notamment des différents types de masques parce qu'on parle beaucoup de... Il y a beaucoup de masques. Vous avez... plein de moyens de vous protéger et de protéger les autres, parce que avant tout, c'est aussi pour protéger les autres. Vous protégez, mais vous protégez aussi votre entourage. Donc, sur les plusieurs types de masques qu'on peut avoir, on a tout d'abord le masque de protection respiratoire, le FFP. On en a entendu beaucoup parler. Il s'agit d'équipements de protection individuelle répondant à des exigences de sécurité et de santé européennes qui sont vérifiées par la norme NF 149 ou par des normes étrangères reconnues comme équivalentes. Donc, ce type de masque protège le porteur du masque contre l'inhalation de particules en suspension dans l'air et qui pourrait contenir des agents infectieux. Il existe donc plusieurs types FFP. Donc il y a le FFP1
où la filtration est de portée de 80%, le FFP2 de portée à 94% et le FFP3 99%. Donc ces masques sont réservés en priorité aux professionnels de santé et aux autres professionnels. Certains ont été réquisitionnés notamment par l'État pour garantir l'approvisionnement des professionnels de santé. Donc vous avez ensuite les masques de type chirurgical. Donc il s'agit des dispositifs médicaux répondant à des exigences de sécurité et de santé européenne qui sont vérifiées aussi par des normes, que ce soit des normes françaises ou étrangères, en évitant la projection de gouttelettes émises par le porteur du masque. Ce type de masque limite la contamination de l'environnement extérieur et des autres personnes. Donc, il existe plusieurs types, type 1, 2, enfin bref, voilà. Ces masques sont utilisés par des professionnels de santé et autres professionnels. Certains également ont été réquisitionnés par l'État, notamment pour garantir l'approvisionnement des professionnels de santé. Certains sont aussi accessibles pour les autres professionnels et pour le grand public. Masques de type chirurgical à usage unique non stérile. Donc la mise à disposition de ces deux premiers types de masques, FFP ou type chirurgical, lorsqu'ils répondent à des normes étrangères reconnues comme équivalentes et encadrées par une instruction interministérielle des directeurs généraux de santé, du travail, de la douane, enfin bref, de tout le patatras. Donc voilà, c'est vraiment des masques qui sont reconnus par l'État. Après, vous avez des masques dits grand public, développés dans le cadre de l'épidémie de Covid-19, hein, qu'on connaît. Qu'est-ce qu'il y a? Normalement, Leslie. Tu lèves la main. Oui, bah, parce que avant l'émission, on avait dit Leslie que t'es fait montre les masques. Ah oui, mais attends. Oui, non, mais j'ai même pas mis mon masque à côté de moi, effectivement. Oui. Mais attends, Antiguinte, m'est en train de raconter qu'on se coupe à moi. Non, mais m'aime bien, moi. Non, mais normalement, Leslie, t'es devait faire interprétation, non? Tu dois faire défiler les masques. Ben, bah, oui. Pas. Ben, Leslie, elle attrape le masque une autre case et vous fait démonstration en même temps. Démonstration en même temps. J'ai mis mon masque à la. Ah ben voilà. C'est... je peux finir. Voilà. Alors oui, tu peux. Donc je disais que les masques dits grand public développés dans le cadre de l'épidémie Covid-19. Donc il s'agit des masques textiles à filtration garantie, la plupart du temps lavables et réutilisables. Donc plus communément utilisés, notamment chez un peu tout le monde. Ils sont facilement reconnaissables. Ils sont réservés en usage hors du système de santé. La production de ces masques est encadrée par une note de directeur général de la santé, des entreprises, de la douane, enfin tout le patatras pareil que tout à l'heure. Le patatras. Et voilà, les masques. Oui, mais c'est ça, c'est pareil. Hein. Donc les masques grand public, mais c'est pas ça qui intéresse les gens, c'est l'information de toute façon. Donc les masques grand public ont des propriétés de filtration supérieures à 90% des particules, donc de catégorie 1, ou supérieures à 70% de ces mêmes catégorie particules catégorie 2. Non mais t'as vu, ça c'est ta faute là, je me perds dans mes explications. Voilà, maintenant fait. Elle est ensuite, troublée à cause voilà. De toi. Ah bon, tu es troublée trouble. Voilà. À combien de je vais te présenter le dernier masque, et c'est le 5. Masque que quasiment tout le monde utilise, le fait maison. Je sais pas si toi tu utilises le fait maison, je sais pas quel type de masque tu as utilisé toi, Leslie, t'as fait. Alors moi au départ, au tout début en fait, comme j'avais pas de... Mais Dani, mais c'est pas possible, il me fatigue. Non, mais il fait que on des pas, on peut des pas bêtises, le zapper. Hein. Ben, non, mais au tout je début, veux essayer, en fait... mais... Hey, pas. Comment il fait le zapper challenge, là? Ben, ça m'a même en train de faire, là. Alors... Il est en train de bien faire, même. Attends, ben, parce donc... que... Oui, parce que moi, il veut faire ça et mettre mon masque, mais impossible, il n'y est pas. Ben non, c'est pas possible. Faut faire pause. Oui, non, mais là, tu peux. Ah, non, mais Dani, franchement, t'as des idées. Il a des idées bizarres. Idées, mais franchement. Hey, vas-y, parle à ma main. Parle à ma main. Sérieux, quoi, Dani. Allez, attends. Vous êtes dans l'émission Tropical Night avec Tropical Girl. Alors, on poursuit avec Annelle. Juste avant, donc. Juste avant, justement, donc si ça tu veux réagir pour le thème de ce soir,
Je t'y peux appeler au 06 93 488 996. Clarisse qui dit ben qui nous suit en direct également, hein. Clarisse, c'est quoi ta vie également sur les masques? Est-ce qu'on a un masque jetable ou lavable? Dis-nous un petit peu plus là-dessus. Ou chirurgical. Bah oui, après il y a plusieurs personnes qui utilisent. Le fait maison est très tendance en ce moment, et notamment plein de monde depuis le confinement en font, mais alors de tout style. Vous pouvez accorder avec vos vêtements, enfin bref, c'est incroyable. Moi j'ai opté pour le simple, hein, le noir classique. Mais d'ailleurs, pour ceux qui veulent voir, j'ai mis une photo sur mon profil Facebook, pour ceux qui me suivent sur Facebook. Et effectivement, ben voilà, ça dépanne, c'est lavable. C'est sympa, ça s'adapte si on est adulte, homme, femme, enfant, enfin bref, c'est super. C'est ça. Mais bon, après je note quand même que très peu encore portent de masque, hein, dans les grandes surfaces ou autres. Bon, après on est, même nous, un peu parfois mauvais élèves, hein, j'avoue que ça m'est déjà arrivé de sortir sans masque, mais c'est vrai qu'il faut vraiment limiter, hein. Moi je vois dans les grandes surfaces... on est à peine 30% à porter le masque. C'est grave, ouais, c'est quand ça. Même. Mais en fait, je pense que ça, après, ça dépend des endroits que tu vas fréquenter, tu vois. C'est-à-dire que, par exemple, quand tu vas en grande surface, il vaut mieux en porter un. Parce que bah, c'est bondé de monde, ça circule toute la journée, donc c'est franchement plus prudent de porter un masque. Maintenant, si tu sais que tu vas dans une petite boutique où il y a très peu de passages, bon, à la limite, c'est pas bien grave. Tu sais que tu vas entrer dans la petite boutique, il n'y aura pas beaucoup de monde, il y aura peut-être une ou deux personnes, ce ne sera pas dramatique, même si tu ne portes pas de masque. Mais oui, dans les endroits où vraiment il y a beaucoup de passages, il vaut mieux quoi. Il vaut mieux se protéger. Il vaut mieux, mais surtout bien se protéger, surtout, parce que c'est pas tout de porter un masque, mais une fois que vous l'avez porté, il ne faut plus le toucher. Moi, je vois souvent des commentaires sur Facebook, enfin sur tous les réseaux sociaux, les gens qui disent, mais les gens, vous mettez des masques dans vos voitures, ça sert à rien. Mais non, une fois qu'on l'a mis, on ne doit normalement plus l'enlever. En fonction du type de masque, hein, parce que la durée varie. Je l'ai sous les yeux, par exemple, le masque chirurgical, c'est 4 heures. Le FFP, c'est 8 heures. Le masque grand public, c'est 4 heures. Une fois que vous l'avez mis, il faut le garder le temps de la durée d'utilisation, si je peux utiliser ce terme, et ne pas le toucher. Assez souvent, on voit des gens qui le mettent, l'enlèvent, soit le met en haut, soit le met en dessous. Sachez qu'on le dit encore, moi j'entends des spécialistes le dire à la télé ou ailleurs, mais je le répète parce que je trouve que c'est important, ça ne sert à rien de mettre un masque si c'est pour l'enlever tous les 5 minutes. Alors, et c'est pour ça qu'il y a certaines personnes, voilà, qui ont le masque en permanence, même dans leur voiture, parce que normalement on est censé plus le toucher, parce que si vous avez du virus sur le masque, ben, vous l'enlevez, vous mettez sous le coude, ben, il va se propager, vous allez être... Après, autrement, si les gens veulent l'enlever parce qu'ils sont gênés, parce que je sais que, par exemple, les masques en tissu, c'est quand même assez particulier, les masques en tissu. On a souvent, comme on n'a pas l'habitude, on a l'impression d'étouffer quoi, sous le masque en tissu. À la limite, je sais pas, ce qu'il faudrait faire, c'est ramener... un petit sachet en plastique ou j'en sais rien, de congélation, ou les petits mini sacs poubelles. Quand vous rentrez dans votre voiture, vous faites attention quand vous l'enlevez, ou vous l'enlevez avec le sachet justement, ou avec un mouchoir en papier, je ne sais pas, et vous mettez le tout dans un petit dans ce petit sac là, et vous savez que voilà, direct vous désinfectez vos mains derrière et vous contaminez rien du tout en fait. Enfin c'est après sûr, moi sûr. Je vois ça comme ça, hein. C'est peut-être pas la meilleure des façons de le faire, mais à partir du moment où on fait très 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 attention à ce qu'on fait, il n'y a pas de raison. Mais surtout, il faut marcher en permanence avec un désinfectant ou voilà, une bouteille d'eau, du savon, j'en sais rien, mais quelque chose qui permet de se désinfecter les mains quand vous sortez du supermarché, si vous voulez enlever votre masque ou quoi que ce soit. C'est clair. C'est clair. Et en plus, c'est très difficile qu'on fait des activités vraiment physiques, hein, de porter un masque. Mais vous savez qu'il y a des alternatives, on l'a pu le voir, la visière, moi j'ai testé les deux. J'ai la visière comme le masque. La visière, l'avantage, c'est que franchement, on n'a pas l'impression d'être
d'étouffer, bien sûr. Ou autre. Ouais. Le seul petit bémol, c'est que si vous êtes sur ordinateur, vous avez tendance à avoir un peu flou. Enfin bref, c'est pas la visibilité n'est pas top. Mais honnêtement, moi, je préfère la visière. C'est vrai que c'est moins esthétique. Enfin, moins esthétique façon de parler. Parce que c'est vrai que là, on va chercher l'esthétique. Hein. Ah ben là, on ne regarde pas l'esthétique, c'est assez clair. Hein. C'est mort. Sûr, hein. C'est ah oui, c'est mais ça. Surtout, par... pas le réutiliser aussi. Enfin, si vous avez une visière, bien le désinfecter. Si vous avez un masque, bien le laver. Parce qu'après, ils préconisent en fonction hein, donc de l'eau très chaude. On peut le mettre dans de l'eau très chaude, le nettoyer ou le mettre en machine et le laver à haute température. Mais voilà. Et son masque reste son masque. Bien l'enlever par les élastiques surtout. Vous désinfectez avant et après. Les gens se disent pourquoi avant, pourquoi après ? Parce que avant, si vous avez touché plein de choses, vous allez contaminer votre masque. Et après, c'est si votre masque est contaminé, ben vous pouvez vous contaminer après. Donc il faut se laver avant et après. Et les gens, des fois, ne comprennent pas. Mais c'est normal et c'est naturel parce que voilà, les humains. Mais après, il faut reconnaître aussi que c'est hyper contraignant. Parce très contraignant même. On est en stress en permanence au final. Parce que déjà que. Pour ceux qui ont repris le boulot, ils sont stressés parce qu'ils doivent aller travailler. Ils ont repris, on va dire, la c'est dynamique de leur travail, de leur dynamique quotidienne. Et au-delà de ça, en plus de ça, il faut se désinfecter H24, quoi. C'est très, très, c'est très compliqué. Je veux dire, il y a plein de choses auxquelles nous, en tant que citoyens, on ne va pas forcément penser à faire. C'est très dur, c'est franchement. C'est exactement ça. Moi, personnellement, je vois, j'essaie de faire le maximum, mais c'est pas évident. Ce que je disais. On est parfois mauvais élèves, nous aussi. On donne des conseils ou autre, mais c'est comme ça. Après, c'est dans la nature humaine. Hein. Après, est-ce que c'est être mauvais élève ? Parce que finalement, on ne nous a jamais appris à vivre dans ce genre de contexte. Donc, ben là, on apprend sur le temps, hein, au final. On est obligé de... Moi, je pense de, que... Les petits, par exemple, nous, nos petits à nous, je prends l'exemple de ta fille, de mon fils, enfin des petits, c'est eux qui vivront dans cette optique-là après. Ils seront plus assidus que nous parce qu'ils l'ont appris petit. Dany, tu as levé le doigt, j'ai vu. Oui, alors, nous sommes du côté de la page Facebook, d'ailleurs, sur le direct live. Ah. On salue quand même Dams, que l'a réagi notamment sur les masques. Donc, le milliard, son commentaire. Donc, le souci des masques, c'est que le petit retraité rayonné ne peut pas les vendre sur Boubouk. Donc, sous peine d'être bloqué par Facebook en utilisant les mots normes et afnant, donc, dans leurs annonces. Mmh. Encore une de nos libertés restreintes par la loi. Avia, ce n'est pas normal du tout pour avantager les grosses industries qui nous arnaquent avec prix aberrants, alors que nos les prix des masques, c'est mais malheureusement c'est comme ça. C'est ça. Ouais, c'est vrai. Et malheureusement. Et puis, je vais revenir aussi sur les commentaires du Facebook Live. Il y a Sylvestre aussi qui dit que lui, il utilise un masque fait maison, mais que c'est pas évident dans le BTP. Et effectivement, dans ce genre de métier, c'est très, très, très dur. Très, très dur. Très compliqué. Et il y a Clarisse aussi qui dit que elle porte un masque chirurgical pour le travail et en tissu pour la maison et pour sortir. Donc voilà. D'accord. Ben, vous voyez, hein, c'est vrai que c'est différent. D'un contexte à un autre, c'est très compliqué. On sait très bien que c'est très contraignant. Notamment aussi pour les entreprises qui se sont vues un petit peu aussi obligées d'investir pour pouvoir équiper leur personnel. Mais c'est voilà, c'est un fait d'actualité. C'est un fait de mode. Enfin bref, c'est ce masque. Je pense qu'on ne verra plus. C'est comme le gilet jaune. On ne le voit plus pareil. Donc, du coup... Quand on va voir un masque, tout de suite, on va penser coronavirus. En plus, c'est quelque chose de mondial. Donc, du coup, c'est pour le coup, ça nous marque. Et je ne sais pas jusqu'à quand, mais bon. Pourquoi tu ris, Dany ? Qu'est-ce qui se passe ? Bah non, comme ça. Nous rebouge quand même sur le Facebook Live. Oui, et vous parlez trop doucement ou la connexion est merdique, on n'entend pas grand-chose à ce que vous dites. Mais je pense que c'est plus les filles, en fait, qui causent trop doucement. Bon,
Bah oui, c'est pas possible. Je t'entends pas. Je t'entends pas, je ne comprends pas. Je m'affonce le micro alors, peut-être sera là. Là, les bons. Alors, Leslie, là, les bons. Je m'affonce le micro. Là, alors. Moi, les bons aussi. Alors, quoi ? M'affonce le micro. Excuse-moi, hein, excuse-moi, mais t'as le lacan à faire réglage, là, il dit, moi, mon micro, il est trop fort. Donc, mi baisse. Ah mince. Et maintenant, regarde là, il dit, moi, comment il entend pas moi ? Ben, et là. Allô ? Oui, on est là. Anaël. Dani, c'est bon ? Ah oui, mais là, elle est trop. Là, elle est trop, là, elle est trop, là, c'est trop, là. Alors, baisse. Est-ce que c'est bon ? Là, elle est bon, allez, touche. Dites-le nous sur Facebook. Et puis est-ce que mais Anel, vous connaissez qui ça fait France à moi hein. Coucou. Attends, Dani, on fait un petit coucou à Brice qui dit que lui, il porte les masques faits maison en tissu. Voilà, ah. Maintenant tu peux parler. Ah, merci cool. Brice. Alors Anel, vous connaissez qui ça ressemble parce que bon, les vrais Ménènes ont une vraie obsession. Tu vois, la série Dynasty, tu vois, je t'y connais la série Dynasty. Ouais. On veut pas. J'ai entendu parler, je connais pas. Alors, je connais pas moi. Leslie, connais où sur TikTok, c'est tout. Leslie, vous connaissez où Dynasty. Moi, j'ai jamais regardé. Il faudrait peut-être que je m'y mette. J'ai jamais regardé, mais j'ai déjà vu des extraits. Alors, bah justement, parce que Anaël, il ressemble un peu à Fallon dans la Dynasty, tu vois. C'est qui Fallon? C'est la... Ah non, mais je vais... Ah non, je vais regarder. Comment ça s'écrit Fallon? Il faut que je regarde. Fallon dans Dynasty. Un peu quand même, hein, mais voilà. C'est l'actrice principale ou pas? Oui, elle est actrice principale. Ah, mais c'est bien, c'est l'actrice principale. Ouais, elle a un petit faux air, ouais, effectivement. Ouais. Ah, ah ouais, oui. Je vois, ouais. Mais ouais, je vois. Sauf que ouais. Bon, elle est un peu plus blanche quand même. Oui, mais bon, en tout cas, elle a du tempérament, hein. Un peu comme Anel quand même. Ah ben ça, écoute, ça je te l'accorde, en tout cas, si c'est du tempérament, oui, ça je dis. Oui. Ah oui. Ben, pour le coup, je vais faire un TikTok Dynasty parce que j'en ai un qui traîne, que j'attends de faire. Ben, pour la peine, je vais le faire. Et après, allez, tu partageras. Voilà. Les filles, est-ce que vous avez fini la rubrique avant de marquer une petite pause? Oui, ben écoute, oui, ben enfin, je voulais parler un petit peu du maquillage des yeux, mais ça me laissera l'occasion de vous en parler ben, la prochaine fois. Et également, donc à partir du mois de juin, donc ça fait une rubrique cuisine, mais il nous va dire plus et pour oui. Le mois de juin. Voilà. En tout cas. C'est ça, nous en dira plus tard. Fini la rubrique de Trop Cagé, mais ça passe fini pour Zot, hein, quand même. Oui, alors, moi, je clôture toujours par la phrase du jour. Voilà, mais on a point. Mais du coup, pour le coup, si, j'en ai une. Mais j'en ai une que j'ai inventée moi-même. Ah. Moi, je dis, mesdames, portez des masques, protégez-vous, mais restez toujours classe et belle. Ça, c'est un appel pour le prochain thème la semaine prochaine. Tropical Girl, votre rendez-vous 100% girly, 0% chichi, avec une nana d'enfer aux commandes. Tropical Girl, plus qu'une rubrique, c'est la vôtre. Info sponsor, toute l'actualité des partenaires Tropical Night. Votre espace beauté DS Niagara vous propose épilation, soins du corps, soins des ongles, extension de cils et maquillage. N'hésitez pas, avec ses forfaits jambes entières, aisselles et maillots classiques, à 42,50€ seulement. Pour toute information, 06 92 411 015. 06 92 411 015. Floria Coiffure sur Quartier Français Sainte-Suzanne vous propose des prix compétitifs sur toutes ses prestations. N'hésitez pas à prendre plus d'infos auprès du salon Floria Coiffure au 02 62 92 57 08. 02 62 92 57 08. Chez Henriette Fleur à Saint-Benoît, retrouvez une multitude de fleurs aussi belles que colorées. Une large gamme de bouquets et compositions pour tous les budgets. Des plantes fleuries également pour les anniversaires, baptêmes, communions, mariages, deuils ou tout simplement pour le plaisir d'offrir. Passez vos commandes au 02 62 50 33 87. 50 33 87. Diaby,
L'humain au cœur de notre action. La préoccupation première de la société d'Ialy est d'accompagner chaque jour les personnes âgées et personnes en situation de handicap dans leur quotidien. Haute satisfaction, les nôtres priorités. Jardinage et bricolage, ménage, entretien, repassage, garde d'enfants, assistance à la personne âgée, transport et accompagnement, assistance administrative. Une solution pour votre situation. Pour plus d'informations, 02 62 52 51 24. D'Ialy, l'humain au cœur de notre action. Besoin de prendre soin de vous, de vous embellir, mais surtout passer un moment agréable avec notre esthéticienne. Contactez Ambre Esthétique à Saint-Denis et vous resterez avec le sourire. Appelez au 06 92 72 23 41. Cayenne FM, 106.9 FM.